Ça, c'est moi qui faisais de la danse quand j'avais 6 ans. Et puis vers mes 13 ans, j'ai arrêté. Et en fait, je sais pas pourquoi, enfin, c'est un truc... J'ai jamais refait de danse, en fait. J'en ai jamais refait parce que j'ai peur, enfin, parce que je sais pas, Ma mère ne m'a jamais vue sur scène, jamais. Elle travaillait beaucoup. Je suis pas encore prête à rentrer dans les détails, mais il y a eu le I Was et le Me Too. Et à ce moment-là, j'ai réussi un peu à libérer ma parole. Je fais partie de ces femmes qui ont été blessées par ce genre d'actes. Et en fait, ça a pourri ma vie. Mais ça a vraiment pourri ma vie. Ma vision de ma féminité, ma vision de mon corps, ma vision de moi en général, ça a tout cassé. Et pour moi, soigner, c'est aussi se faire violence et dans la douceur, dans la bienveillance, recommencer à danser. Avec ce corps qui est toujours le même, mais qui est juste blessé, accepter que, ok, bon, on a peur, on fait des crises et tout, il n'y a pas de souci, mais on va le faire. Et on va le faire bien parce qu'on peut le faire. Parce que c'est pas moi, hein, la fautive de tout ça, la coupable. C'est la personne qui a fait. Donc du coup, je trouve ça trop injuste de me punir deux fois. Je suis terrifiée, mais vraiment, j'en pleurais encore hier soir, c'est pour ça que là, j'ai le visage gonflé et tout, j'ai peur, vraiment, de redanser. Mais je veux le faire parce que si j'y arrive correctement et que je suis fière de moi à la fin, j'ai tout gagné. Parce qu'au moment où j'aurai repeur dans ma vie de ça, puisque c'est une blessure qui sera là tout le temps, peut-être qu'un jour je l'accepterai plus facilement, peut-être même qu'un jour j'arriverai à en parler et à mettre des mots dessus. Pour le moment, c'est pas encore possible, sauf avec mes très très proches amis. Mais si j'arrive à être fière de moi et à me dire je l'ai fait pour mon anniversaire, je peux le faire ce soir, ben j'aurai gagné. Ça m'est venu comme un pétouf. Pas sûr de la garder cette... Non, pas sûr. En tout cas, maintenant qu'on a l'idée, il a fallu que je la mette en place. Et pour ce faire, j'ai commencé par appeler Jason, qui est mon meilleur ami. Je vous le présente tout de suite en quelques secondes. Mojito mangue, Cuba libre, verre de rosé offert par la maison, chocolat chaud. Monsieur, c'est quoi ton problème? On est en plein mois d'août. JJ, qui a été la première personne au courant et la seule pendant très très longtemps. Allô? Voilà, oui. Je vais te parler d'un truc, il faut vraiment que t'en parles à personne, ça veut dire cette conversation elle est entre toi et moi. Agent secret, tu connais? Exactement. Promis? Promis, juré, craché. J'aimerais bien monter sur scène pour mon anniversaire. Et comme bah justement je sais que tu danses et que tu connais beaucoup de danseurs et de chorégraphes, j'aurais besoin que tu me présentes certaines personnes. Est-ce que tu penses que c'est possible? À fond, en fait, clairement. Genre, tu sais, depuis que je te connais, j'attends de te voir sur scène, parce que moi aussi c'est pas vu sur scène. Moi j'attendais de que tu m'appelles pour me dire un jour ouais je vais faire ce genre de projet, me demander mon avis, parce que je pense que t'as grave les capacités et je pense que t'as même oublié que tu les avais. Et donc t'as pas intérêt à oublier que t'as ce genre de capacités en fait. Il y a une partie de toi que les gens ils connaissent pas du tout. C'est vrai.
Et cette partie-là, tu veux l'exprimer depuis longtemps. Donc là, t'as une occasion, tu me dis que t'as envie. C'est pas pour que dans deux jours, tu me dises que t'as pas envie, sinon je te balaye. Bah, y'a pas de soucis, tiens-moi vite au courant. Je vais regarder le carnet d'adresse, je vais joindre des gens sur Insta, je pense. Okay. J'envoie les profils tout à l'heure, carrément, et on s'appelle tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que j'en perds. Il m'a réellement appelé une heure plus tard avec plusieurs profils de gens qu'il connaît, qui sont déjà montés sur scène, qui ont déjà l'habitude de créer, décorer, tout ça, tout ça. J'aime autant vous dire que Otto, il a pas blagué avec moi. Il était pas là pour enfiler des perles. Ah, clairement pas. Tu vas tenir les mêmes menaces devant 400 000 personnes là? Ah, de ouf. Ok. Bon bah, Otto. Donc je t'explique. Je vais mettre en place un planning pour des exercices. Ok? Tu vas subir. Tu comprends? Vous vous rendez compte quand même pas? Tu vas subir. Pas des pompes, des abdos, du gainage. Comment on appelle ça le... Bah je sais pas, on n'est pas obligé de l'appeler, il y a déjà du monde là quand même dans ce que tu viens de dire. Ambre, elle était plus dans la douceur, dans le ménage. Cindy t'inquiète, t'en es capable, t'es une jolie femme, nan, nan. Oui. Et ça va bien se passer Cindy. Parce que... Cindy. Et merci. Cindy. Cindy. Otto. Fais bien la pompe, lève-toi. Tu te lèves. Allez, let's go. Tu as voulu ça, tu vas le faire jusqu'au bout, c'est parti. C'est toi t'as voulu, moi je proposer des squats. C'est parti. Où est-ce que je suis? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a rigolé par contre. Il y a un moment, je lui dis de courir, de toucher deux murs. La première fois que je lui dis ça, la meuf, ça y est, elle fait quoi? Elle court, elle me regarde, elle rigole. Je vais faire l'exercice et tu vas suivre à la lettre. D'accord? Fais ça 10 fois. Mais ça va pas ou quoi? Si, c'est grave. Tu vas grave le faire. Tu vas grave le faire. Cindy, si tu fais pas, t'auras encore pire. J'ai pas besoin de bosser ce soir autour. Cindy, si, mais t'en as besoin ça. Et tu le sais très bien. Plus c'est autant pas, que moi. Je fais très bien les pompes, hein. Je sais pas pourquoi il abuse. Bah, tu vas les faire alors. Mais c'est courir qui est chiant. Allez. 1. T'as triché, t'as mis le genou. Bien sûr, j'ai mis le genou. Allez. 3. C'est bien. Allez. 4. C'est bien. Et bam. Merci. Waouh. C'était ça? Mais Otto, tu peux pas m'apprendre un truc? Et à la dernière heure, tu es bête, me dire qu'on fait plus ça? On est sur la même courbe. Fusion! Merci! Fusion 2020 et ensuite ménage! Mais c'est devenu un ami, mais comme ça, genre c'est mon... C'est le sang du sang de la veine, genre le sang de là, l'artère fémorale. C'est là? Non, c'est dans la jambe, Cindy. C'est pas grave, on peut pas tout savoir dans la vie. Maintenant, il faut un plan. Parce qu'on est à J-40, le corona bat son plein en France, on a encore plein de restrictions qui ont bougé puis qui sont revenues par la suite. Mais en tout cas, sur le moment où je vous parle, j'ai pas le droit de faire des soirées. Mais je commence quand même à l'organiser. Et je me dis, je vais faire comme si il y avait plus de restrictions. Et si je vois à 2 semaines du truc qu'on peut pas le faire, on le fera pas. Mais en tout cas, j'essaye. Cette sacrée Léa quand même, heureusement qu'elle est là. Hi, comment ça va vous? Ça date, je vous ai pas vu. The one and only, Léa Mélie. On est en train de voir ensemble pour tout réorganiser. Le problème et ce qui fait que ça se passe entre guillemets un petit peu mal, c'est que je ne suis pas organisée. Alors que moi je suis une organisation, genre une société d'organisation. Moi j'ai pas appris, j'ai que l'ambition.
Mais du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas bien faire les choses si tu t'organises pas correctement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on organise? La liste des invités, faut qu'elle soit terminée. Dans le spectacle, il y a des catégories. Je dois préparer le mix de la musique. Se mettre d'accord ensemble sur qu'est-ce qui serait cohérent ou pas cohérent, même si j'en reparle demain avec Otto, en tout cas commencer à avancer. Il faut que je contacte Obella pour lui expliquer la partie des meufs. Toute la semaine prochaine, normalement, elle est consacrée à Obella et la partie Beyoncé. Et ensuite, la semaine d'après, Otto revient de Nice et c'est là qu'on va bosser avec les danseurs pour la partie Otto Genis. Donc bien compris, je me lance à cette heure-ci là, au moment où je vous parle, au moment des images que vous venez de voir, je suis dans un moment où je ne sais pas si je suis dans la légalité de préparer ce que je prépare, clairement. J'ai passé moult et moult soirées à regarder les discours de notre cher président. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Jusqu'au jour où enfin la restriction de soirée de 10 personnes saute. Je vois que les mariages commencent à reprendre et tout. Je trouve une salle qui me plaît, j'appelle, le mec a un désistement pile pour la soirée du 4 juillet, et qui est la soirée que j'ai envie de faire. Nous allons visiter une salle pour le birthday. Let's go. Regardez-moi la salle en fait. La salle pour mon anniversaire, vraiment mariage. Les toilettes, je vous explique, les toilettes sont plus grandes que mon appartement. C'est pas une blague. Les toilettes des femmes sont plus grandes que mon appartement. Oui bah j'habite à Paris aussi, c'est trop bien, c'est trop bien, on se revoit là samedi prochain, peut-être avant aussi si jamais j'ai le prestataire scène. Et voilà, c'est trop cool, je suis trop contente, franchement je suis trop refaite, je vous mets tout en barre d'infos, de toute façon vous avez le nom du salon, la personne à joindre si jamais vous voulez louer pour un anniversaire, un mariage ou quoi, c'est franchement, là, trop bien. J'appelle donc Cathy, qui est mon agent et une de mes meilleures amies également, qui, elle, était avant wedding planner. Donc ça veut dire que je sais qu'elle a l'habitude d'organiser des événements, et surtout elle me connaît, elle connaît mes envies, elle connaît mon ambition, et je sais qu'elle va me suivre. Et effectivement, elle me suit comme tous les gens à qui j'ai proposé ce projet-là. Location de la scène. Location de la scène, c'est navette gare, c'est bon. Hôtel, bon ça c'est un truc perso, mais bon je l'ai dit quand même. DJ, chorégraphe, c'est bon. Danseur, c'est bon. Le groupe de gospel, c'est bon. L'instru. Il t'a envoyé la facture? Non. Parce que moi il m'a envoyé, mais... ton gâteau, c'est bon. Faut que j'aille le chercher soit le jour J, soit la veille. Je vois. Déjà deux fois. Le candy bar, du coup c'est ma sœur qui va te le faire. Il faudra juste acheter les bonbons quand on ira chez Metro ou ailleurs. Les glaçons, c'est bon. Ça pareil, les boissons, tout ça, ça sera chez Metro. La vidéo, du coup on y va mercredi après-midi alors. Ouais. Donc j'ai les chorégraphes, j'ai la salle, j'ai l'envie, j'ai l'idée, j'ai le plan. Viens maintenant l'euphorie. L'euphorie est généralement suivie par la redescente et donc la peur. Clairement. Clairement. J'ai jamais autant flippé de ma vie que pendant ce 1 mois et demi de préparation. Je suis dans une angoisse là. On va prendre l'air un peu là. Je vous ai mis au frais là parce que moi-même j'ai des bouffées de chaleur. On est à J-16. Mais aujourd'hui ça compte pas parce qu'il est déjà 18h30. J'ai tellement hâte que ça commence, ça m'angoisse, genre j'ai envie que ça arrive. J'ai envie de monter sur scène. Imaginez au final c'est naze. Ou genre c'est, ouais c'est bien quoi, tu vois. Genre, ouais c'était pas mal. Imaginez c'est nul, ou alors imaginez vous regardez comme ça en mode. J'ai bu 5 cafés aujourd'hui. Peut-être pour ça que c'est angoissant. C'est insupportable, je suis en incapacité de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Je ne pense qu'à ça, vraiment je vis pour ça. Là, vraiment, je vis pour ça. Oh, la caméra, elle est toute fraîche, comme moi. Voilà, plus tard. Plus d'une fois, je me suis dit, bon, on annule. On fait la soirée, mais je monte pas sur scène. Jusqu'à même, juste avant la scène, j'étais en mode, bon, tant pis. D'autant plus qu'à 10 jours de l'anniversaire, on n'avait toujours pas terminé la choré de mon entrée. C'est-à-dire le plus important, puisque dans un spectacle, en général, les gens se rappellent du début et de la fin. La préparation d'ailleurs, qui dit préparation, dit répétition. J'ai jamais autant taffé de ma vie.
Why did the wind shade on me? Like they ashamed on me. I thought, what age are we? Il a fallu travailler sur le mental énormément, dormir, bosser, se lever, aller faire 5 heures de danse par-ci, 5 heures de danse par-là, mes journées entières, louer des salles, ne pas louer des salles, il pleut, c'est pas grave, on s'entraîne. Il a vraiment fallu que je passe en mode bosseuse comme jamais. Et c'est pour ça que pendant un mois et demi, j'étais pas du tout sur les réseaux. Genre mes journées, c'était, il y avait rien, il y avait pas de Cindy Off nulle part. Mais par contre elle était clairement dans ses projets. Et jamais de ma vie j'ai autant kiffé me réveiller le matin, bosser sur un truc que je kiffe et à la fois me soigner. Ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, beaucoup de rires, qu'est-ce qui m'arrive, beaucoup de rires, beaucoup de pleurs aussi. Bah pas tant que ça en vrai, mais beaucoup d'angoisse. Par contre vraiment j'étais à deux doigts d'aller chez un médecin, genre j'en pouvais plus, je faisais des crises mais existentielles plus d'angoisse. Mais non mais j'arrivais jamais à le faire, mais c'est sûr, mais mes potes imagine ils me regardent genre comme ça. Comme je pense la majorité des chanteuses du monde, je rêvais depuis toujours de chanter avec un groupe de gospel. Je me suis fait ce cadeau pour mon anniversaire. Ils sont fabuleux, vraiment. Ça a été des humains incroyables. Dès la première rencontre, on a tous chialé. On s'est vu deux fois pour préparer la chanson. Et Andra Day, pour moi, c'était logique. Vraiment très très logique.
C'est une musique qui est incroyable, qui est forte, qui est puissante et qui va très bien avec le message, avec le cadeau que je me suis fait de remonter sur scène pour mon ami. Nous sommes samedi 13 juin, je suis en présence de Cathy, le meilleur agent du monde. Je le dis tout le temps parce que vraiment c'est important. Il y a un poil de mon chat là sur la caméra. Étage. Toujours avec moi celui-là. Et là on va répéter pour le gospel. Et j'ai décidé le jour de ces 25 ans là déjà de remonter sur scène parce que ça me manque beaucoup. Et de danser pour mes proches, pour ma maman qui m'a jamais vue sur scène encore, jamais. Et de chanter parce que c'est ce qui me fait vivre. Et chanter avec un groupe de gospel, c'est clairement quelque chose que je voulais faire avant de mourir. Et je me suis dit que si je voulais faire des choses bien, bah, ce serait une bonne idée de le faire ce soir-là avec tous mes proches, puisque en tournée, je pense pas qu'un jour j'y réussirai, peut-être, hein, mais à tous les avoir dans la même pièce avec cette même énergie et juste de leur faire passer un bon moment et moi de faire le petit kiff perso de remonter sur scène ce soir-là. Qu'avec de la bienveillance et du partage et leur montrer qu'il n'y a pas de limite et que ok c'est un anniversaire et que c'est la fête et machin, on va faire la fête, mais aussi que ben, si moi mon kiff c'est de faire de la scène et que ça fait un an et demi que je suis en train de travailler sur les chorégraphies, de prendre sur moi tous les jours pour me rappeler que je suis belle et que je suis forte et que je suis capable, si je peux véhiculer ce message en premier aux gens que j'aime, c'est exactement ça que je cherche. C'est une belle chose. C'est une vraie démarche profonde du cœur et je vis que pour ça depuis là vraiment 3 semaines. Genre, je me lève pour ça, je dors pour ça, j'angoisse un peu avec ça. Mais c'est hyper cool, c'est une vraie aventure grave humaine. Et je me suis dit que j'avais pas besoin d'attendre que ça revienne et que je pouvais le créer. Ah oui. Parce que la seule limite que je me suis imposée, c'est moi-même. Et du coup, j'ai vraiment envie, après ces 25 ans-là, de sortir de ça. Je veux plus m'enfermer dans ma peur, je veux plus. M'en vouloir pour certaines choses que j'ai pas fait, je veux juste vivre. Bah en tout cas, on est là pour te, voilà, pour te supporter, te soutenir. Et vraiment, voilà, on est ensemble. Oh, mais t'as joué du piano parce que... C'est le 4 qu'on pleure, c'est le 4. Je vais bien. Depuis tout à l'heure, je filme comme ça là. Tu parles aux gens et tu répètes.
avec l'instru, il ouais. n'y a que le, en fait, le ça. Et ensuite, à la fin, en fait, en gros, il y a le... Pas le coup, non, mais après, si mais c'est toi, je pense que c'est des vibes à la maison, tu sais. Si, ouais. Tu parles de la vibe et toi, tu vibes. Hein. Je me suis ressaisie et j'ai eu besoin, si tu veux, de cette aventure de tout laisser sur Paris, mes amis, mes proches, les gens que j'aime, ma famille, tout, pour pouvoir me relancer dans cette aventure qui a été Go Girl, de me challenger, de partir 3 mois à l'étranger seule dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, quand bien même j'adore parler anglais, je maîtrisais pas tout. De devoir me socialiser sans Cindy, tu me laisses, Cindy, machin, juste moi-même en tant qu'humain, et c'est tout ce que je demande quand on me regarde. Je veux pas qu'on voit la certification. Parce que mon compte Instagram, demain, on me le pirate, j'ai encore les mêmes valeurs que celles que je véhiculais hier. Souvent, je me dis que je mérite pas ce qui se passe quand ça se passe bien, ou que j'aurais pu faire beaucoup mieux, et que de toute manière, c'est jamais assez bien. Je suis avec moi-même, c'est je suis un tyran, vraiment. Genre, j'aimerais pas. Connaître la moi-même de l'intérieur avec quelqu'un d'autre en face de moi, parce que je pense que j'interviendrai, c'est trop. Mais vis-à-vis de moi-même, il y a deux casquettes. Autant il y a énormément de bienveillance. Quand je suis triste, par exemple, je me laisse pleurer. Quand je suis fatiguée, je me repose. Quand j'ai peur, j'accepte. Quand je suis une crise d'angoisse, j'accepte. Et le syndrome de l'imposteur, c'est surtout cette impression que mais tout le monde veut faire ce que je fais. Et quand on te dit, mais si Cindy, tu dégages quelque chose, et mes potes n'arrêtent pas de me dire parce qu'ils ont envie de me voir remonter sur scène. Mes amis me disent tout le temps, c'est quand la musique, c'est quand? Bah déjà, ce sera cette année. J'ai pris la décision, ça y est, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de me cacher, j'arrête. Et, ça commencera par le 4 juillet, du coup. Et d'arrêter de me dire que je mérite pas, parce que si je suis là et qu'on a envie de m'écouter, j'ai forcé personne. Bah oui. Exactement. Et ce que je trouve bien, c'est que ben moi, je trouve que c'est. Je pense que ta reconversion, c'est un grand mot, mais le fait que t'es rebondi sur YouTube, ça t'a fait du bien. Parce que du coup, même si. Du coup, c'était pas en mode musique, mais ouais. Ça t'a permis aussi d'avoir un truc aussi qui te plaît, de c'est faire ça. Quelque chose qui te plaît. C'est ça, et surtout, ça a été thérapeutique, tu vois, de vider son sac sur certaines choses que j'avais pas pu dire avant, de pouvoir partager certaines expériences négatives pour pouvoir en faire profiter les autres, parce que je veux pas avoir vécu ça pour rien. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui m'ont fait du bien, et surtout le soutien des gens. Je poste une vidéo, il y a énormément de commentaires, les gens sont hyper gentils, je lis tout. Les gens sont même dans la rue. Ils sont super bienveillants et c'est des gens de tous horizons, de tout âge. Je suis souvent surprise. Des fois, j'ai des livreurs ou des gens qui me servent à manger. C'est des serveurs, ils ont 45 ans, mais ils regardent mes vidéos quoi, avec leur fille ou avec leur femme. Ou avec... Donc, il reste 3 semaines. 21 jours. Ah ouais, non. C'est à la minute. C'est trop chou, ça fait penser aux gens qui vont se marier, qui comptent les jours. Mais non, mais c'est ça, mais c'est surtout sur les rendez-vous. Bientôt, il faut qu'on rencontre le scénographe. Est-ce que ce sera bon? Il y a les filles, les danseuses, je les ai pas encore rencontrées. Je vais voir la semaine prochaine. Il y a les tenues de scène où j'ai rendez-vous avec MBC, Sima Couture. Oui, il y a Sima Couture pour les robes. Et ensuite MBC pour la tenue un peu Beyoncé, c'est un peu plus sexy, très féminin et élégant et glamour. Et ouais, il y a tout ça aussi. Il y a aussi, c'est con, mais à quel moment je fais mes ongles, à quel moment est-ce que je change de cheveux avant. Allez, Jessie J, calmement. Ouais. Mais Jessie J, c'est un ovni. C'est Jessie J, voilà. Elle est vraiment forte. C'est vrai, attends, Kélia, elle n'est pas forte. Donc il n'y a pas de truc. Qu'est-ce qu'elle est forte. Elle est très forte. Sur son mentor. C'est son mentor. Voilà une. Sander aussi, elle a des bonnes quand elle est chaude, elle a des bonnes vibes aussi. Hein. Moi les vibes, si je peux en mettre partout, je le fais. Il a fallu apprendre à. Je remercierai jamais franchement assez tous les gens qui m'ont aidé, que ce soit Léa, Enzo qui sont occupés de faire la liste, qui m'ont aidé à faire la liste des invités. Merci à tous mes potes qui ont participé, évidemment, merci à tous les partenaires. Clairement du fond du cœur. Parce que c'est ouf de se dire qu'autour d'une idée qui sort d'une seule personne, ben elle touche plein de gens. À commencer par moi-même, puis mes amis, puis les gens avec lesquels je bosse, puis vous derrière. Et. Pour les invitations, j'avais pensé à faire un. C'est Jason qui m'a soufflé l'idée. Je pense que je l'aurais quand même eu, mais j'ai pensé à faire des invitations en étant youtubeuse en vidéo non répertoriée. C'est super bizarre de commencer une vidéo qui, je sais, ne se retrouvera pas sur YouTube, puisque là, comme tu peux peut-être le remarquer, on n'est pas réellement ici pour que je te fasse une story time. Je vais juste vous donner toutes les infos, mais je me suis dit qu'envoyer une invitation juste par message, c'était un peu éclaté. Et comme on parle quand même de mes 25 piges, j'ai envie de faire les choses en plutôt grand. J'ai quand même envie de mettre mon intro parce que ça me fait rire. C'est parti. Yo.
vous êtes sur une boîte à chaussures. Non mais je viens de les acheter, franchement elles sont lourdes. Attends, tac. Ouais, la souplesse, toujours pas, hein. Ah non mais 25 ans, je commence à me faire vieille, vous aussi là. Vous avez reçu ce message parce que vous êtes invité à mon anniversaire. 25 piges, va falloir fêter ça correctement quand même. En fait, je vais donner 2-3 informations, mais je vais pas tout donner. Il faut savoir que mon anniversaire aura lieu dans une salle que j'ai louée spécialement. J'ai trop hâte parce que moi je sais à quoi ça ressemble et je sais ce que j'ai préparé. Toi tu sais pas encore, mais je peux pas tout de suite vous dire où. Je peux juste vous dire que c'est à 25 minutes de Paris. Vous aurez l'adresse à quelques jours de l'anniversaire. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que si je vous donne l'adresse, vous allez aller sur Google. Je le sais, vous allez vous spoiler et ensuite vous n'aurez plus de surprise. Sauf que même si c'est mon anniversaire, j'ai quand même envie de vous surprendre. J'ai envie de vous surprendre tous ensemble. Est-ce qu'il y a un thème? Oui, j'ai choisi le thème du spectacle. Pourquoi? Parce que moi j'adore la scène, évidemment, on le sait. Tu vas me dire, comme à chaque fois que j'ai prévenu les gens, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi la scène du spectacle? Je sais pas exactement, il fallait que je mette un thème. Par contre, en termes de dress code, je vous demanderai de venir comme si je vous avais invité à mon premier zénith, ok? On va, disons que l'année prochaine je pars en tournée, je fais un zénith, vous êtes tous invités. Donc soit tu t'habilles, que les meufs elles vont me dire, ouais mais moi quand je me rends en concert, je mets un survêt. Tu mets pas un survêt. Tu prends une robe, un truc beau gosse, tu t'habilles beau gosse, tu viens avec tes talons si t'as envie de venir avec tes talons. Et on n'est pas en boîte non plus, tu vois. Tu t'habilles comme tu veux tant que tu te sens bien et belle. Mais dis-toi que ce serait un zénith avec tapis rouge et ensuite, tu vois, petit cocktail entouré de la Famax. C'est toi la Famax. Voilà pour les infos importantes. Merci de me confirmer ta présence ou pas. Si besoin d'un plus un ou d'un hébergement, merci de me prévenir aussi. J'ai loué la salle moi de midi à 6h du matin. L'endroit, la salle est joignable en transport, ok? Et j'ai prévu moi une navette, donc faudra prendre le RER B. Jusqu'à une certaine gare, pareil, je vous donnerai toutes les infos à 2-3 jours de l'anniversaire. On le fête le samedi 4 juillet, mais je suis du 2. Non, mais je le rappelle parce que si jamais tu me le souhaites le 4 et que tu l'oublies, ça me vénère. J'ai prévu entre la gare du RER et la salle une navette en voiture qui viendra vous chercher et qui vous déposera sur le lieu des festivités. Il se peut que j'aie vu les choses en grand. Il se peut que j'en fasse peut-être un peu beaucoup comme je fais tout le temps. Mais en vrai. J'ai quand même 25 piges, tu vois. On n'a pas fait grand chose pour mes 18 ans. On n'a rien fait pour mon mariage. Là, mon gars, j'espère que vous êtes prêts. Reposez-vous bien la veille, hein, parce que ça va pas être de tout repos, c'est moi qui vous le dis. Si jamais vous venez accompagner, dites-moi de qui. Parce que tout le monde va pas. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. C'est comme dans mon cœur, quoi. On rentre pas comme ça, comme papa dans maman, ou comme je sais pas, tu dis comme tu veux. Je tourne un truc ce soir-là, là. Pour YouTube, qui va changer un peu le cours de ma chaîne. Et si jamais vous voulez pas être filmé, faudra me le dire en arrivant dans la salle. Mais de toute manière, on tourne pas pour vous, on tourne pour moi. Donc en théorie, on vous verra pas de trop non plus. Et on commencerait à 18h, pour la simple et bonne raison qu'il y a une terrasse et que j'ai vraiment envie qu'on en profite parce qu'elle est grande. Qu'on sera début juillet, qu'il fera beau. Besos. Ah, faut que j'arrête de dire ça. Bisous. Standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, are you gonna get it?
What can I say any more than desire? More than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love up inside of the fire. Someone who can handle me. Cause I'ma cut your heart to be. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. Tu connais la dame. C'est trop marrant la question de t'as qu'une seule robe. C'est la quatrième fois déjà qu'on pose. Non, mais on accueille. Merci. I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? What can I do? Gotta keep every heart safe, so we make it out alive. I don't wanna waste no time. Oh yeah, oh yeah. Try to play nice so I won't give you heartache. Trust me baby when I say, girl you better walk away. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars? Vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs, les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, les meilleurs. Si vous êtes les meilleurs, si vous voulez du déo, il y en a. Si vous voulez du make-up, il y en a. Je peux avoir une s'il vous plaît. Alors que je suis juste derrière en vrai et sûrement en panique. Bienvenue à votre soirée d'anniversaire. Je me suis fait... J'ai choisi de monter sur scène effectivement ce soir. Est-ce qu'un jour dans ma vie, moi mon rêve c'est de réussir à organiser ma tournée toute seule? Mais je savais pas ce que ça impliquait de louer les salles, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. De trouver un scénographe, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. De trouver des chorégraphes. De reprendre la danse puisque je n'ai pas dansé depuis 13 ans et que je redanse ce soir pour vous. Et surtout, je me suis dit que je suis en train de faire une prison mentale et j'ai décidé aujourd'hui de faire ce que toutes les. Les gens vont s'attendre à ce que tout à l'heure. Have fun guys, j'espère que vous allez kiffer. Oh,
Yeah.
aïe, 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 encore. Une deuxième. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je chante plus? Est-ce que j'ai plus envie de chanter peut-être? Non. Bien sûr que si j'arrête. Et je voulais vous dire que je reprends le chemin du studio. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant c'est l'heure de turn up. J'ai choisi la chanson Rise Up de Andrade, qui est une chanson que j'aime énormément de par le message. I'll rise up, ça veut dire je me relèverai, peu importe les vagues, peu importe les montagnes, peu importe les obstacles. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer là, c'est très gênant. J'ai pas pleuré à mon anniversaire, mais depuis que je suis sur le montage, depuis que je suis sur le travail de fond derrière, je réalise. Et je suis très émue. Me vient l'idée, et là je sais que mes potes qui regardent la vidéo ils ont peur, me vient l'idée à un moment donné de mettre un confesse à mon anniversaire. Ça va les potes, vous êtes sereins? Parce que vous n'aviez pas bu que de l'eau hein, si je peux me permettre. Inauguration du confessionnal, vous arrivez dans 2 heures. Super. On est trop prêts, à toutes. Coucou tout le monde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va vous donner la tralise sur l'anniversaire de Cindy. Tu viens juste de commencer, on l'a pas commencé encore. Bon, il a pas commencé, mais je peux vous dire que la queue c'est un 2 sur 10. Vraiment, ça c'est un. C'est là, c'est un 2 sur 10. Sans manquer de poney, de chevaux et de luxe. Je suis la plus petite de la soirée, même les enfants sont plus grands que moi. Je trouve ça vraiment méchant. Dossier, la web m'a encore tapé. Voilà. On a les mêmes chaussures. Voilà, c'est tout. Je sais que vous avez aimé, vous perdez vos chaînes. Thumbs up, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cindy. Alors, il est actuellement 21h24. Et on mange des glaces sans alcool. Exactement. Du coup, on se dit à tout à l'heure. Exactement. Pour voir les dégâts, peut-être, causés par cette. Moi, je le dis, je vais finir. Hein. Tu mets même pas de suspense. Il n'y a pas besoin de suspense parfois. Le trailer suffit. Bon, en tout cas, pour le moment, nous sommes sur des glaces sans alcool. Parce qu'on a choisi les glaces de bébé. Mais on va passer aux glaces d'adultes. Vous allez voir. Nous, après les glaces d'adultes. Look at this bitch's strawberry. Mon dieu. Oh. J'ai dit qu'on allait. Est parti. Attends, il faut que je m'appuie. Attends, faut que je fume ça quand même. Oh putain. Allez, on estimille, on mastique, on mastique. Oh là là. T'as vu? Tu te rends compte qu'on a bu zéro alcool là?
Qu'est-ce que ça va être après? On confesse. On se dit à tout à l'heure. En tout cas, je suis arrivée il y a une demi-heure, enfin il y a une heure bientôt. Tout le monde m'a acclamé, du coup c'était mon anniversaire. J'adore ce qui se passe. Vraiment l'ambiance, waouh. Cindy, elle est un peu stressée. Et j'espère que mais ça va. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Cindy, excuse-moi d'être arrivée. Genre 5 heures en retard par rapport à ce que j'avais dit, mais vas-y, emballer des cadeaux, ça prend du temps. Santé Cindy! Santé! Cheers! Ouais, merci pour cette putain de soirée! Bon anniversaire! De 25 ans, chacun ne sera pas les oublier! J'aime tout le monde dans les toilettes. Donc, c'est confessionnal, mes amis. Et bah, encore joyeux anniversaire, voilà. Envoyez plein d'amour dans les commentaires, c'est important. Donnez de la force. Et voilà. Je ne sais pas si ça va être pour vous. Ah bah la madame la bleue. Allez, bisous. Qu'est-ce sur cette soirée? Franchement, incroyable. 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 Le show était stupéfiant. On a vu que soirée parisienne et j'avoue que celle-là est plutôt pas mal. On a pleuré. On a vu que t'aimais bien chanter, on t'a mis un coup. Elles ont pleuré. On a vu que t'aimais bien chanter, donc on a mis une Cindy dans ton anniversaire. Exactement. Et franchement, le show était super. Et ça, c'est la meuf est incroyable. C'est incroyable. Et on va manger ton gâteau. On espère qu'il est bon. C'est pas, je vais aux toilettes tranquillement et je regarde derrière le toilette, je ne sais pas pourquoi, et je trouve un téléphone et je pense qu'il est à Manon. Parce qu'il y a quand même... Tu n'es pas douée, Manon. Derrière, tiens. Cette vidéo, elle est pour toi. Tu n'es pas douée. Je t'aime, Cindy. Attends, je fais un plan un peu mieux. Je t'aime, Cindy. Je sais pas si les gens sont beaucoup venus ici, mais c'est la première fois que je passe. C'est grâce à elle que tout ça là existe. La best. Regarde. C'est la dague du Seigneur des Anneaux, c'est pas un ongle. T'es bon. Mais du coup, j'ai cette tête là depuis longtemps. Oui. Bah depuis à peu près archi longtemps. La soirée, on va pas voir. Il fallait me prévenir parce que là, les cernes ont des cernes. Archi.
Est-ce que quand je te regarde comme ça, tu vois des vélis en tout là? Bah, je suis un peu angoissé là. Il y a du monde? Ah, il y a non, ça va, t'as plus. Communauté dans le nez. T'as plus dans le nez. C'est plus de followers dans mon nez que sur Instagram. Oui. Quand je vous dis j'ai pas loué avec la scène, c'est pas une blague. Ah ouais? J'ai vraiment pas loué avec la scène. Ah ouais? La scène elle était déjà là? La scène n'était pas là. J'ai fait installer la scène. J'ai fait installer la scène. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est super bien. Elle était super. Si t'étais pas là, bah écoute, si t'étais pas là, c'est pas. Franchement, nous, on s'est tapé des bars. Il a suffi d'un instant, d'un moment où j'ai cru assez fort en moi, pour changer complètement le cours de mon regard et de ma relation avec moi-même. Ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que aucun rêve n'est trop grand. Ne laissez jamais personne vous dire que vous en faites trop ou que vous y arriverez pas, parce que très clairement, c'est faux. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai beaucoup avancé grâce à ce projet-là. Le fait de vous en parler aussi me fait énormément de bien. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là. Et vraiment, que ce soit le scénographe, mon DJ, mes amis, les danseurs, les chorégraphes, tout le monde a été fabuleux, vraiment. Vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos, puisqu'il faut à un moment donné rendre à César ce qui est à César. N'oubliez jamais qu'à partir du moment, où vous croyez en vous, je vous promets que vous êtes inarrêtable. Vraiment. Et votre seul ennemi, c'est vous-même et la manière dont vous vous traitez. Prenez soin de vous. Vivez grand. Aucune ambition n'est trop vaste. Et je sais que c'est hyper bateau, mais vraiment, votre seule limite, c'est vous-même. Merci.